les gens de retour sur Xbox. Yep là. Référence. On saute dans le niveau. Ouais. Ah oui, d'accord. Pas que je la pousse tout en bas, donc... Ah. Et que je vienne ici, d'accord. Deuxième niveau... Là, on a plus besoin, on va dire, changer de niveau d'une fois sur l'autre. Tac. Une fois qu'on l'a mis là... moyen de la sortir cette tuile. Par contre on... ça donc là on ne que la pousser vers le haut ou ne rien faire. Bête. Je fais. Ah, ok, ça pousse là-haut. Ce qui me paraît assez logique. Pas glisser la boîte bleue au-dessus. Non, je pourrais me glisser moi. Et il n'y a pas de... Par contre... Ah, c'est dans le... Dans... Oui. Je voulais essayer de voir si je pouvais pas faire rentrer le truc vert là-dedans. C'est pas le cas.
que là je peux avoir le verre ici et pousser le cube là, mais j'ai pas besoin de passer par le verre. Pas que verre. Revenir en avant. Voilà. Au moment où on a Z. Et là. Je fais ça. Je peux plus rentrer dans le verre pour le pousser. Si je fais ça, je peux pas le pousser pour aller vers le haut. Ressortir derrière. Si je fais ça, je ne suis pas dans le verre. Là, j'aurais voulu être dans le bloc vert pour pouvoir sortir sur la gauche. Je peux pas pousser le bloc vert plus que ça. Sans être dedans. Mais je pousse ça là. Et que je mets ça là. Hop. Et hop. C'est pas évident. Alors. Voilà, c'est gagné. Ah, on se pousse d'un cran et c'est gagné. Non. Bien sûr que non. Je suppose que c'est le même principe. Il faut sortir d'ici pour pouvoir... Non. Et ça. Et on ressort pour pouvoir se poser ça ici. J'ai vu passer là en regardant entre l'épisode précédent et celui-ci qu'il n'y a pas de niveau entre guillemets filler, donc sans aucune nouveauté. Celui précédent, par contre, énormément à celui d'avant par exemple. À mon goût, on pourrait dire que c'est un niveau filler. On pourrait. Et j'ai aussi vu que le jeu, j'ai revu les prix du jeu, il est à 16,60€, quelque chose comme ça sur Steam, 20$ sur Itch.io. Mais sur Itch.io, on vous propose aussi une clé Steam, donc vous pouvez y aller sans souci. Même si vous avez plus l'habitude de Steam. Avec tout ça, moi j'avance pas ici. En fait,
pour faire ça, il faut que je réussisse à être là, dans un cube. Et à me sortir par la gauche. Or, je ne peux pas sortir par la gauche. Le seul cube duquel je peux sortir par la gauche, c'est lui. Oui, c'est le seul et il peut sortir des trucs à gauche ou à droite. J'ai besoin d'être dans lui, donc. Ah, et j'ai besoin de sortir comme ceci, donc. Sauf que si je fais ça, c'est mort. Et si je rentre dans un autre, avance pas. Je pense qu'il faut réussir à mettre le bleu dedans, mais pas sur la ligne du milieu, sur la ligne du bas. Mais sur la ligne du bas, il faut le faire rentrer par en bas, le bleu. Or, je pense qu'il faut pas bloquer ce passage. Voilà. Jusqu'ici. Comment je fais rentrer le cube bleu dans la boîte verte? Soit comme ça. Ça. Mais là, il faudrait que je réussisse. Attendez. Et le mauvais sens. Comme ça, ça fonctionne. Là.
Non. Oh, ya. Je sais pas comment j'ai eu l'idée de celui-là. C'est vraiment pas comment j'ai eu l'idée. C'est venu comme ça en disant, bah, forcément ça. Alors que non, pas forcément. Alors ça, on a déjà vu qu'on pouvait faire ceci. Hop. Sauf que ça ne nous plaît pas du coup. Non. Hop. Bien plus compliqué que d'autres quand même. À mon avis. Ouais. Attendez, bleu, jaune, vert, violet. Et ça. L'idée, c'est bon. Oh, lui, il est bloqué. Il est bleu, jaune. Jaune, vert. Il est vert, violet. Et là, on a le bleu qui bloque, effectivement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le vert en dernier. Vert en dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le faire dans quel ordre? Violet en avant-dernier. Peut-être ressortir là, hop. Hop là. Exactement. C'est-à-dire qu'on se met au niveau du vert, on le laisse. Oui, bonjour. Non, je suis obligé de faire ça, non? Dans ce cas-là, je le mets comment au bout du R? Comment est-ce que je le mets? Là, logiquement, il faut que un des cubes arrive. Je peux le. Ouais. Et ici, pour arriver par là, il faut qu'il soit poussé par l'extérieur. Ça quoi du coup?
Le bleu ici, j'arrive pas à comprendre ce que je peux faire avec le bleu ici. Il est collé à un mur, au plafond. Donc je peux plus en faire grand chose en soi du bleu. Ah si, je peux sortir de 1. Hop. Hop. Tic tic. Waouh. Bon, on va en face. Hein. On va en face. Instinctivement, moi je fais ça. Non, je sais pas pourquoi je l'ai monté là. Là, j'ai pas besoin de le monter, je sors. Oh, je ressors. Et là, j'ai besoin de descendre. J'ai besoin de descendre, donc je le mets là. Hop. Et là, je le pousse à l'infini. Rouge et jaune là. Fini. Ah non. Alors. Aïe 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 aïe. Oui. Hop. Et hop. J'ai besoin de rentrer. Non. Quoi, c'était pas ça? Oh. Il y a besoin d'un bloc ici aussi. On remonte le rouge à sa place, hein. Voilà. C'était complexe, mais ça va. Pourquoi il y a un zoom? Ah, les niveaux bleus, c'est des niveaux chelous, d'accord. Vite, partons. Et là, oui, nope,
Chip. Dessous de le reposer là. Sortir ici de. Et au moins là. Et je crois que j'ai fait tout ça un peu trop tôt. Ouais, mais si je fais ça... Non. Parce que j'ai l'impression qu'il faut le jaune à droite pour pouvoir faire ça. Là, on dit bye bye le jaune. Après, on dit... Et salut, je reviens là. C'est ça. Sauf que le jaune, on sait l'utiliser. Oups là. Truc du bas, voilà. C'est un peu plus, enfin beaucoup plus Gerbotron que d'habitude. Hop. Hop. Là, on sort. Si. Hop. Il y avait Zoom Infini, qui est maintenant le Dézoom Infini. Alors. Comment on va faire là-dessus? Ça, on est obligé, mais il faut... prendre ses précautions. Là, on se met là, là on sort. Pour sortir ici, hop. Et on retourne dans le vert pour pouvoir pousser le bleu là et se mettre là. Bon, ça casse un petit peu le cerveau. Le zoom des zooms, c'est... je sais pas pour vous, mais pour réfléchir, c'était... très très agréable dans tous les cas. on a fini ce chapitre, ce monde, donc on va se laisser là. J'espère que ça vous plaît, que vous voyez à quel point les niveaux sont graduels et intéressants, et sans être il y a des pics de difficulté, hein, mais ça je pense que c'est extrêmement dur de pas en avoir dans un puzzle, et après on peut presque se demander si on est vraiment dans un puzzle, si la progression est toute lisse, ou alors à chaque fois il faut réfléchir, et puis des fois quand on fait un puzzle on pense à quelque chose qui marche pas, et au final ça marche pour quelques coups plus tard. Donc c'est pour ça aussi, et aussi les joies du puzzle. Là, on était dans quel niveau? On était en référence. Eh bien, c'est sur cette référence que je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.